Bonsoir à toutes, amis téléspectateurs, téléviseurs, ANN-TV, bienvenue dans la 4e sortie, journal 509 pour la semaine. Ça, rapidement, qui te présente nous divers points qui ont dominé l'actualité. Rapport qui a plus de 800 pages, à qui ont résumé 120 pages et puis pièce sans conviction sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, transféré à Yekat Daoud dans le cabinet d'instruction, était seulement à Maître Bernard Saint-Ville, à doyen tribunal première instance TPI, Port-au-Prince. Pour choisir un juge pour prendre en main dossier politico-judiciaire. Office de protection citoyen organise un atelier réflexion sur besoin spécifique femmes actives dans ça qui vient pour avec la justice en présence de plusieurs représentants organisations internationales tant que ONU femmes avec plusieurs autres autorités dans le système judiciaire pays comme quelques associations magistrats et puis l'autre institution qui dans le domaine droit monde. Sorti 1er juillet pour arriver 3 août 2021, il y a plus passé une dizaine de prisonniers qui mourent dans la prison civile au CAI à cause de trop chalets qui ont gagné dans l'espace là. Pour faire face à la situation, un chef en paquet a annoncé à 6 criminels qui démarrent à mercredi 4 août là et une façon pour déblayer la prison. Une réunion faite dans la délégation au Cap-La, côté nouveau délégué DDN-PNH, plusieurs directeurs du département, dans l'idée pour interdire les pompiers sur vendre monde gaz dans le galon sans une autorisation qui est sortie dans la mairie. Saisir et puis arrêter tout le monde qui vend gaz dans la RIA, toute pompe gaz à Douélouis pour vendre gaz même les. C'est ensemble pour ça que divers autres amis téléspectateurs qui parlent développer, qui étaient branchés par déplacés. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais développement journal là. Après 25 jours d'enquête, interrogation et perquisition, rapport qui a plus de 800 pages, avec un résumé 120 pages et puis pièce en conviction sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, là, transféré dans le cabinet d'instruction, était seulement avec Maître Bernard Saint-Ville, avec doyen tribunal première instance à TPI, Port-au-Prince, pour choisir un juge pour prendre en main le dossier politico-judiciaire qui a été fait jeudi 5 août, là, dans l'assemblée juge, pendant le doyen Yangentan, contacté des juges qui refusent d'instruire le dossier cela, pourtant TPI. Il a annoncé non juge qui pourra changer le sous-affaire assassinat ancien chef d'État a publié dans un titan. Office de protection citoyen organise un atelier réflexion sur besoin spécifique femmes actives dans ça qui vient pour avec la justice jeudi 5 août 2021 dans l'hôtel Montana dans présence de plusieurs représentants organisations internationales tant que ONU femmes et plusieurs autres autorités dans le système judiciaire pays comme quelques associations magistrats et puis l'autre institution qui dans le domaine droit monde à travers atelier ça OPC exprimé préoccupation sous situation mesdames par rapport à la justice dans le pays. Protecteur citoyen Yenna Edouville a porté toute précision pour nous dans le micro Jeline Joissin avec Fran Speaker. L'activité que nous avons fait matin dans l'hôtel Montana, c'est un atelier sur les modules des besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de justice. C'est une activité que nous avons organisée de concert conjointement avec ONU Femmes, qui est une organisation qui travaille dans la question de protection des droits femmes,
et aussi en support avec également d'autres partenaires internationaux que OPC travaille avec lui. Alors, lorsque nous parlons de besoins spécifiques des femmes, nous ne sommes pas capables d'oublier pour nous mentionner que le plus souvent, lorsqu'une société a mal fonctionné, eh bien, le plus souvent, ce sont les femmes, les filles, les enfants qui sont les premières victimes. Pour qui ça que nous dit, nous connaissons que dans la société haïtienne, ces derniers jours, pas ces derniers jours, mais disons ces dernières années, durant les deux décennies, les 20 dernières années, ou bien les 25 dernières années, ou bien les 30 dernières années, eh bien, il y a un pile monde qui est assassiné. C'est des cas d'assassinat spectaculaires. Et à côté des cas d'assassinat spectaculaires, nous connaissons tout. Pendant les 5 dernières années, il y a un pile massacre qui fait sur la population dans certains quartiers de l'aire métropolitaine. Nous connaissons tout qu'il y a un pile monde qui jusqu'à présent cap mourir dans des quartiers notamment Martissant, Fontamara qui viennent censés impraticables. Dans l'Issao, il y a des monde que nous pas capable oublier par exemple. Il y a des femmes le plus souvent eux-mêmes qui sont victimes d'assassinat directement. Nous ne sommes pas capables d'oublier pour de jeunes journalistes, hein, vingtaine, trentaine qui là, peut-être nous pas compte ça. Eh bien, il y a un monde qui est victime par train assassinat dans le pays d'Haïti que nous ne sommes pas capables d'oublier. Eh bien, c'est le cas de cette jeune policière, moins d'une vingtaine d'années, qui était à peine entrée dans la police. Et dans une cérémonie publique, il a demandé pour te serrer la main à des présumés bandits. Publiquement, il t'a refusé. Moins de 48 heures de temps, il a jeune corps. Jeune policier, ça, son pile fatra. On a parlé de Christine Jeune. Nous avons en tête, nous tous, le cas d'une jeune avocate, d'une brillante avocate, qui était tombé le 28 mars 1995. On a parlé de Maître Mireille Durocher-Bertin. Et beaucoup plus récente, nous ne sommes pas capables d'oublier, par exemple, deux infirmières. Malheureusement, je n'ai pas mon carnet sous les yeux, mais en pile confrère est capable de voir de qui je parler. Eh bien, d'abord, une jeune infirmière qui était sur le fond de transaction sous route frère, non banque, eh bien, il était assassiné. Et beaucoup plus récent, dans la fin de mois de juillet, nous avons le cas de cette jeune infirmière qui a décidé d'offrir tête pour porter soin à des gens qui sont malades. Ils ont tiré en dans l'ambulance. Lorsque ce n'est pas femme qui a assassiné directement, eh bien, femmes le plus souvent sont victimes de manière indirecte. En même temps, l'Office de protection citoyen parle sur le système judiciaire pays dans tout ensemble qui lit parfaite recette. Renan Edouville parle sur une cinquantaine d'assassinats qui fait une façon spectaculaire dans le pays, même enquête n'a pas jamais abouti. Pour les mêmes impunités à continuer à gagner la nation qui la cause en toute criminalité qui a fait dans le pays. OPC peut dépouiller l'autre système judiciaire qui a fonctionné comme sa loi. Protecteur citoyen continue à parler. Dans le micro, Genève Joassien et Fun Speaker. Nous avons un système judiciaire qui n'a pas fait de job. Nous avons un système judiciaire qui n'a pas rendu justice. Nous avons un système judiciaire qui méritait redorer blason. Parce que très souvent, le système judiciaire ça, est trop impliqué dans trop de scandales. Nous avons un système judiciaire qui est le plus souvent des magistrats honnêtes, sérieux, compétents, persécutés, et des magistrats soupçonnés de corruption, malhonnêtes, protégés par le même système judiciaire. Ça. Nous avons un système judiciaire qui prend des dossiers, il oublie dans le tiroir. Quand il y a là, en pile monde, peut-être ou même en tant que journaliste, on doit comme ça, dossier Jean-Léopold Dominique Rivet dans le cours de cassation depuis un paquet de temps. Ça a plus de 21 ans. Zéro condamnation. Il y a des dossiers d'assassinat qui tout mourir en d'un coup d'appel.
Bon, il y a des cas d'assassinat même qui mourent dans le tribunal de première instance. Parce que plus fort cas d'assassinat qui est enregistré dans le pays, c'est dans l'ère métropolitaine que le fait. Et de vous dire l'ère métropolitaine, ou dit Delma, ou dit Port-au-Prince, ou dit Pétionville, ou dit Grand Ravine, ou dit La Saline, ou dit Bel Air, côté jeune corps Jacques Roche, eh bien, premier côté pour indexer, c'est le tribunal de première instance. Donc, nous-mêmes, au niveau de l'OPC, c'est continuer à faire plaidoyer, mais continuer également à travailler avec d'autres secteurs de la vie nationale, des associations de magistrats très solides, des magistrats honnêtes, des organismes de la société civile qui croient dans la justice, des avocats, des cabinets d'avocats, des organisations internationales qui sont partenaires au PC, notamment ONUFAM, Avocats sans frontières et d'autres partenaires que nous gagnons à l'étranger, et aussi, sans oublier, la communauté internationale qui n'est pas capable indifférent. Et c'est peut-être ça que nous sommes là dans cette salle-là. Nous avons un représentant au commissariat aux droits de l'homme là. Nous avons un représentant BINU qui là. Nous avons un représentant d'autres agences internationales. Parce que question justice en Haïti, nous pensons que, étant donné que les Nations Unies présent, nous sommes capables de dire directement dans le pays, même si nous ne sommes pas sous tutelle, nous ne sommes pas force armée onusienne, mais personne n'est pas capable de négliger la présence des Nations Unies dans le pays. Et c'est peut-être ça que nous demandons dans des dossiers de cas d'assassinat, tant que cas d'assassinat président Jovenel Moïse. Nous demandons pour que l'Organisation des Nations Unies dise un mot sur la question ça. Même si ça a été fait dans pile d'autres pays, ça a fait dans pays, en pile d'autres pays à l'étranger, nous souhaitons que les Nations Unies dise un mot sur la question ça, porter tout support, tout encadrement que le capable bail à autorité judiciaire, autorité politique, et bien pour que le dossier ça arrête dans les tiroirs. Conférence à passer haïtien copa mettez en note yo à mercredi 4 d'août là. Vous voyez, j'étais bien loin, madame Enevini ça. Commissaire gouvernement mettez derrière passer Gérald Forge avec Gérald Bataille dans cadre enquête qu'a mené sur assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Copa mandé chrétien yo puis fait échouer des marchands commissaire maître Bedford Claude pour tout il a fait à travers personnalité ça yo sans pas invité yo avant ça. Le ministre de l'Agriculture, Charles Aubry, dit que le gouvernement prend tout à disposition dans ce qui est pour la fièvre cochon, qui est le peste porcine, qui est déjà dans la République dominicaine, mais qui peut arriver dans le pays. Le ministre a demandé la population à arrêter la tête froide parce que bonne décision qu'elle prend pour faire face à carré à la maladie. Et puis, mettre balise à dépit sous frontière dans l'idée pour la maladie à ne pas attaquer le cochon en Haïti. Plaisir d'être toujours dans le micro de Botelmi avec Presse Blanfort. Ce qui explique la présence nous là aujourd'hui matin, c'est pour informer toute population. Si tout éleveur, donc on est éleveur par rapport au presse, éleveur aussi en disant oui, que la fièvre cochon qui porte nom peste porcine africaine, dans le pays dominicain qui est pays voisin. Nous, pourquoi diagnostiquer la présence de maladie en Haïti jusqu'à présent? Donc, moi répéter, nous, pourquoi diagnostiquer la présence de maladie dans le pays d'Haïti? Moi, je voulais faire la population connaître que peste porcine africaine, ce n'est pas une maladie qui a attrapé, mais qui a causé un pile de dégâts pour l'éleveur, parce que donc on est sa cochon représenté en termes d'économie pour eux. Dans ce sens, nous voulons rassurer la population que le gouvernement en général et le ministre de l'Agriculture en particulier, qui a commencé à prendre bonne décision pour faire face carré à gros menaces. Le ministère a mobilisé tout système technique qui a compétence dans le domaine pour rapidement augmenter le contrôle sous frontière.
chercher vérifier si maladie a pour co-attaquer cochon qui boit ici dans pays en pays d'Haïti. Ministère de l'Agriculture, dans la bataille, il n'y a pas de caméléon pour contre lui. Le gouvernement qui est mobilisé, toute instance, tout l'autre ministère qui est concerné, tant que le ministère de la Justice, pour mobiliser la police, et frontalière, ministère communication, ministère. Donc le ministère environnement, donc tout votre ministère pour former ça en task force au niveau intervention qui doit être faite. Mes téléspectateurs, nous venons un moment pour nous observer la deuxième pause. Nous restez branchés, pas déplacés. Merci d'être toujours été branché, amis téléspectateurs, mais à cette information. Le groupement plusieurs organisations sociales et politiques qui se combinent de lever voyou pour dénoncer plusieurs acteurs politiques qui veulent faire ça, qui veulent écraser l'élite du peuple, ont choisi d'entrer dans le partage du pouvoir ou de continuer à demander une transition rapide pour résoudre la crise politique. Là. Dans le cadre de la conférence pour la presse, René Aristène et Karine Berville étaient sur place et a présenté un reportage. Pays d'Haïti, depuis un bon bout de temps, a traversé une crise politique sans pareil. Côté, depuis la mort ancien chef l'État, Jovenel Moïse, ça a gagné paraît plus mal. L'engadé, comme la situation qui là, semble être coupée avec ce qui est passé dans le départ Jean-Claude Duvalier, côté pays a traversé une situation d'instabilité et violence qui était venue déboucher sous massacre Riel Vaillant qui était fait dans la même époque là. Combit, qui regroupe plusieurs organisations politiques et sociales, levé voile. Matin, jeudi 5 d'août là, pour dénoncer zak intimidation classe politique la Sibi dans la communauté internationale là. Côté, yo plus vle rentrer dans une série de compromis tête chargée au lieu de pencher sur véritable problème peuple là qui abjoint seulement dans une transition ripti. Si nous quoi parole professeur José Mérilien. Comment dénoncer une situation politique qui a fait de l'assassinat de Moïse là pour des pouvoirs à servir avec commissaire gouvernement pour voir mandat bail une série de citoyens et qui va dans le camp comme ça belle. Donc nous avons l'impression que ils ont choisi quitter l'état suspect et puis nous prendre des monde qui pas bien d'aller trop relation à cette fête là justement pour arriver intimider à tes politiques qui est capable de faire des petits jeux dans le boulot, pour arriver à faire que les acteurs qui sont dans le boulot, pour qu'ils aient été dans le boulot, dans le champ libre, pour faire des choses complètes, pour renouveler les acteurs dans le boulot encore. C'est l'objectif d'aller dire ça, c'est de briller plus surtout, pour que les acteurs qui sont faits sur ce qui s'est passé, et que les acteurs qui sont faits, nous ne sommes pas. Donc, nous pensons que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas correct. Et nous, les populations, les VKP, contre la titula, contre cette titula, la peine pour persécuter les gens qui partent dans le camp politique avec tout ce qui est là. Alternative socialiste, qui c'est un autre maille dans cette mobilisation politique là, qui est même tout trouvé en dans combat là, fait divers questionnements sur qui véritable motif qui t'a poussé un série groupe ou bien acteur politique entre tête baissée, n'a pas participé dans le reste pouvoir, coller pieds ses têtes caléa, qu'elle est baptisée pouvoir rose pâle. Il y a les plus loin pour le faire qu'on est, à quoi classe politique là pas capable de jouer là, pas vrai dit, c'est maturité qui n'a pas gagné, mais plutôt capacité au gain pour mettre en place moyen pour résoudre problème social et politique yo, pour joindre un véritable accord politique. Socialiste, qui s'est membre de l'homme, fait sortir, si dernier paragraphe, son petit phrase, mais en français, mais pour tout le monde, m'a préparé en français après tout m'a dit l'anglais. Il dit comme ça que la maturité au sein d'une classe politique n'est pas définie par l'absence de désaccord, mais plutôt par sa capacité à identifier et à mettre en œuvre les moyens pour les résoudre avec le moindre coût social et politique.
Qui ça nous veut dire par là? Nous veut dire que ça a connu les maturités politiques là en général, dans la population. Ce n'est pas les pagans des accords. Non, ce n'est pas ça. C'est le yo mette en branle pour les capacités pour identifier des accords et pour identifier moyens pour résoudre des accords avec petit coût social, c'est-à-dire pour les moins casse possible. Pour Olry Jean-Pierre, le moment qui présente journée aujourd'hui, c'est une belle occasion pour la population en ouais à clé, visage tout si yo qui t'apprend au libre dans la classe politique là. Ça veut dire l'idée qui n'a pas une colonne vertébrale. Il sera possible pour le bail à la population quels critères, monde ou bien dirigeant politique qui t'a dû bail service yo dans une véritable transition reptile qui t'a dû gagner. 7 février 2021, le pays a pris une situation exceptionnelle parce que Jovenel Moïse a décidé de gagner le pouvoir en dehors du mandat. Et c'est ce 7 juillet 2021 qui passe là, pour une vidéo qui passe en Abiyan. Acteurs politiques, acteurs de la société civile, nous compris combien, on ne pas suspendre, rencontrer, discuter pour nous prendre qui réponse nous capables de faire face à cette situation exceptionnelle. Il y a eu plusieurs propositions qui viennent sur la table, il y a plusieurs groupes qui fait des propositions. Les propositions généralement allaient vers des individus, des personnes. Mais nous avons convaincu que la question est problématique dans la mesure où la question qui groupe a essayé pour ces gens qui proches qui pourraient vivre du pouvoir. Et nous passons à savoir tout le dernier moment, il y a des gens qui ont rejoint la bataille peuple là, qui ont fait tout bidon. Et je dis, ils sont en train de montrer vrai visage. Nous tous connaissons les paroles qui disent que c'est dans le chemin gêné qui fait le malin. Mais le contexte difficile à payer à vivre dans le dia, bon côté, c'est que il y a des gens qui ont dénaturé, il y a des gens qui sont obligés de montrer véritablement qui est souillé. Et l'histoire pour nous de monde sérieux, c'est de antique. Combien de par volonté nous gagner pour nous sortir de la crise, ça, pour que c'est acteur haïtien. À travers un consensus qui se dit dans cette habitation, section communale, commune, département, dans le pays, qui vous discutez, ce n'est pas de groupe malin qui a fait de stratagèmes, subterfuges, chercher de monde qui a un rapport avec eux, des conseillers avec eux, dans le régime de HTK pour comment travailler au pouvoir, après ça, pour avoir un petit passe-coup. On bip, la perspective, on va aiguiser la situation, question individu, personne, ça, nous croyons que moment, c'est pour nous chiter sous critère. À partir de lutte que les Haïtiens menèrent dans le pays pendant 4 à 5 dernières années, qui chita autour de rupture dans le système. Question ça, ce n'est pas seulement de mots. Ils sont chariés de valeurs, ils sont chariés de vision. Et pour le système changer, il faut que, j'ai un camarade mérite de ce deal là, il faut qu'on programme un agenda de transition, de rupture. C'est-à-dire, rapport qu'on a développé avec l'institution de l'économie, faut que l'on, parce que c'est une prêté de nous là, les gérants de la communauté internationale dans les affaires internes du pays, faut que l'on, et faut que nous gagnions deux acteurs, deux monde qui symbolisaient la rupture. C'est-à-dire, ce n'est pas deux monde année passée, qui a dit transition rupture, je dis pas à dire moi ça parce que besoin de l'élection. Mam Kombitio profite lancer une mise en garde par la classe politique là qui rentre dans la logique proposée moun ou bien qui t'a même rivé prendre place dans le gouvernement reste mandat Jovenel Moïse là dans l'idée pour t'a opposé à projet peuple là attendre depuis les diables de caporal. L'autre information à mes téléspectateurs nous constatons qu'il y a une stricte politique à fixer position sur corruption qui gagne dans le pays. Professeur Ben Zakade fait connait aucun accord politique pas possible sans élément fiable qui pas inséré dans le procès Petro Caribia et puis il y a les plus loin pour lui dire il pas reconnaître le gouvernement qu'il a parce qu'il pas sorti dans aucun accord politique c'est communauté internationale là qui impose peuple à lui côté gain en pile monde dans le PHTK qui reconduit dans gouvernement s'il a nous conseil écrit une lettre à directeur USCCA Anne-Salouine Joseph pour lui continuer à enquête administrative sur divers dossiers importants dans le pays là les états dans micro Gadi Bartelmi et puis presse Blanfort. Position nous conscient clair par rapport à la question de corruption dans le pays. Et par rapport à l'évolution de la situation dans le dernier moment. Aucun accord politique pas qu'à fait sans que il y ait des éléments qui pas insérés dans l'accord. Comme élément, c'est un procès Petro-Caribéa. Son élément fondamental.
Et c'est dans ce sens en passant, nous tout dit, même Jean la Cour des comptes, mettez dehors ensemble d'arrêt de débat contre ensemble de monde qui t'a géré l'argent de l'État. Il faut le faire même Jean pour ensemble de monde qui t'a gagoté l'argent Petro-Caribéa. Et même Jovenel, même s'il a assassiné, il parle encore, depuis qu'il y a arrêt de débat pour lui, c'est mettre le derrière, d'extrêmement fondamental. Deuxièmement, nous conseillons à dire, gouvernement qui l'a, nous ne reconnaître pas parce qu'il n'est pas gouvernement population. Il n'est pas sorti de aucun accord politique, c'est imposer ou imposer nous, gouvernement ça. Et c'est peut-être ça, nous dit vrai gouvernement, c'est gouvernement qui a sorti dans l'accord là. Comment comprendre? Bon, ensemble de monde qui ministre là, je dis, c'est de monde qui t'a supposé répondre à question de la justice. Rockefeller, Vincent, Ticlode, font clair sur ça. Bon, paquet là, c'est des inconnus. Par on est autant de monde ministre de l'éducation nationale, ou en côté le sorti. Ça pour dire, c'est pas même PHTK encore que mettez. Font clair sur ça. Et maintenant, en dernier lieu, bon, c'est que dossier corruption, yo, n'a toujours moyen, yo. Et c'est dans ce sens ça. Fonds national éducation, nous voulons garder. 2014, pouvoir PHTK a décidé arbitrairement d'il prendre l'argent sur ensemble de diaspora pour le capable venir en aide à l'éducation. Mais de manière arbitraire, quelques années après, un ensemble de députés et sénateurs qui votaient loi organique Fonds national éducation, malgré un paquet de réserves, société civile là, ils ont décidé de voter. Mais je dis, il y a 7 ans après, c'est des millions de dollars américains qui font ça pour entrer, pour capable aider l'éducation. Mais près de 7 ans après tout, l'éducation n'a pas eu aucun travail sérieux qui fait là-dedans. Élèves dans la rue, enseignants dans la rue parce qu'ils n'ont pas qu'à toucher. 4 de débit à Genoa promet, pas eu 4 de débit. Étudiants à l'école normale qui supposaient nommer après stage, ça n'a pas fait. On n'a pas de gros problèmes dans le secteur, et puis on dit Fonds national éducation là. Et dans ce sens, ça, nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous en main, comme une structure de Petro Challenger qui a mené une bataille contre la corruption. Nous écrivons M. Hans Joseph, qui aujourd'hui a directeur ULCC comme institution, même s'il proche PHTK, mais ULCC son institution. Nous demandons rapidement pour le débrouiller comme Jean-Jacques pour une enquête administrative qui fait. Sous FNEA qui sont Fonds national éducation pour diaspora yo population en haut courant l'argent yo a qui ça le fait là tu vas te même mentionner les pour le dire après assassinat ancien président Jovenel Moïse crise politique pays a vienne puis dégénérer pour ça il mandé un accord politique qui pral monter ya yo pas d'accord pièce acte politique qui ouais intérêt ou seulement dans bataille pour changement pays a. Notre bon maman nous conscient fait connaître le pas aller dans élection dans situation pays a là et puis même PHTK ça yo pas gain légitimité pour organiser élection. Plus état dans micro garde Barthelmy après la fort. Après la mort et crapuleux assassinat crapuleux et l'ancien président de facto Jovenel Moïse et qui était un vide institutionnel exceptionnel dans tête pays qui fait que depuis 6-7 juillet et pays a vivre une situation politique et socio-économique très 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 délicat. Et après assassinat Jovenel Moïse, nous considérons un acteur clé qui a bataille pour casser ce système ça et qui a continué bataille pour casser ce système ça, te comprendre situation et te réunir rapidement pour nous discuter avec un ensemble des organisations dans la société civile là, partis politiques etc. Et dans ce sens ça, nous considérons de discuter avec la société civile. D'ailleurs, nous sommes membres du comité qui a cherché une solution dans la crise. Et nous discuter avec des secteurs politiques. Nous, et la discussion a continué. Mais nous clairons ce positionnement. Nous ne pas reconnaître aucun gouvernement sans un accord politique. Parce que pas aucune position légale pour nous combler vide institutionnel. Ça. C'est un accord politique qui suppose par un gouvernement. Jusqu'à présent, pas reconnaître Ariel Henry. Jusqu'à présent, pas reconnaître aucun ministre qui l'a. Pour nous, c'est des gens qui occupent un espace parce que pas de monde qui occupe. Mais nous prêts pour nous discuter à tout le monde. D'ailleurs, nous mettons toute force sur nos batailles pour nous jouer un accord politique. Mais dans l'accord politique, il y a des choses qui ne sont pas négociables. Par exemple,
question procès Petro Caribéa n'est pas négociable. Question massacre moun na sa ligne n'est pas négociable. C'est insécurité là côté que dans toute casse brûlé au Sénégal Kazam jeune Nourizam nommé yo n'est pas négociable. Casser conseil électoral ça tout n'est pas négociable parce qu'il ne pas parler l'élection avec conseil électoral ça. Comparativement avec une équipe qui fait semblant en opposition qui a parlé de transition de rupture qui est nous même c'est là nous une chose a dit on parle l'élection. Gayon qui même osé dit élection n'a fait année 2021. Ça son monde tête pas bien, ça nous est. Et dans ce ça nous même nous dit a gagne élection c'est les toutes conditions ça réunies. Et nous dit quelque soit nèg qui veut aller l'élection tente nous. Les amis téléspectateurs, c'est mon troisième pouce là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branché, les amis téléspectateurs, mais reste information. Dans une rencontre avec la presse, jeudi 5 d'août, la Force Réserve Nationale, sous place Constitution, dans le champ pour adresser un message à les militants, pour demander de faire un fonds commun pour sauver le pays d'Haïti, et puis demander au Premier ministre Ariel Henry, publié dans toute partie politique qui participait dans le gouvernement. Porte-parole Force Réserve Nationale, là, c'est l'ami Corinne Aristène, avec Karine Perville, n'invite au suivre. Matin, nous rencontrer avec la presse, premièrement pour nous parler avec les gens qui ont les militants. Peuple haïtien, les gens qui ont les militants qu'on habite à utiliser dans un moment difficile, soit pour bloquer la rue ou encore pour bouler le caoutchouc. Et je dis à nous constater, depuis ce partage gâteau, ce pouvoir est oublié. Je dis à nous venir dire, la raison pour laquelle nous venons faire conférence sur ce champ de masse là, c'est une façon de nous demander pour nous faire un fonds commun. Pour nous mener une bataille, une façon pour nous capables de sauver Haïti. Et nous-mêmes, nous avons parlé avec M. Ariel Henry, qui montait un gouvernement. Une façon que nous avons un pile doute sur lui. Et nous avons demandé M. incessamment pour le publier liste non parti, groupement et regroupement politique, ni acteur politique qui était proposé moun dans le gouvernement Ariel Henry. Par exemple, nous pas comprendre pour Liné Baltaza pour contre lui dans PHTK proposer ou encore mettre 4 moun dans ministère TPTC par exemple, commerce, agriculture et ministère et la jeunesse et sport. Nous-mêmes nous dit après assassinat Jovenel Moïse, nous pas d'accord et peuple là pas jamais accepter pour bagarre là continuer Jean Satekonié pour inégalité sociale là pral faire rage même j'ai encore et bien peuple haïtien pral lever campé pour bataille contre tout ça yo et jodi a nous croit Ariel Henry doit connaître limite yon moun qui besoin pouvoir réel c'est nan élection pour prendre ces peuple la bail c'est ça cause nous dit Ariel Henry mission première li gagné comme premier ministre de fait c'est à rencontrer tout acteur qui voulait. Tout acteur qui dit que c'est démocrate, qui accepte pour gagner l'élection qui fait en dans le pays, pour nous aller vers les élections pour nous gagner le pouvoir réel. Oui, nous gagnons un exécutif à des têtes. Je dis que c'est un premier ministre qui l'a. De fait, faut nous gagnons un président. Cependant, faut qu'il fait un accord. Ce n'est pas le même groupe, messieurs, soit dans l'opposition ou encore ça qui est dans le pouvoir, ça qui veut récupérer le pouvoir. C'est le même encore qui pourrait essayer. Qu'un bel pouvoir, on fasse pour peuple arrêter dans crasse. C'est ça que fait Nabdi peuple là, rester vigilant. Et Ariel Henry doit démêler le coup, mettre Jean-Jacques, pour bailler sécurité dans le pays. Trop longtemps, instabilité politique prend peuple là dans le coup. Instabilité politique là prend diaspora dans Gagan, il n'y a pas qu'à rentrer. Par exemple, hier récemment, il a kidnappé yon diaspora dans la commune Verret dans la Tibonite et yon fin prend l'argent en main, yon assassiné. Nous même mandat débloqué Haïti, débloqué diaspora, qui c'est membre Force Réserve Nationale là, nous déplorer ça. Pascal la Dieu juste un peu loin, fait qu'on est étonné pour le Jean communauté internationale là. Avec Ariel Henry, il y a un marché pressé pour organiser l'élection en fin l'année. Qui pral gen pour conséquence, bay un paquet élit contesté pendant le réclamer un véritable accord politique pour organiser une plus bonne élection. Pour plus de détails, invite au suivant Pascal Ladieu juste porte-parole Force Réserve Nationale là, Nami Corinne Aristène à Kevin Perville. Je veux dire, au niveau Force Réserve Nationale,
nous étonnés les nous qui Jean Premier ministre Ariel Henry a font piquer devant avec pression internationale là parce que je dis à tout passer de force ça nous qui fait là c'est international là qui derrière ça et objectif international là c'est forcer nous valer des élections qui fait dans n'importe qui condition n'importe qui gens et qui pourrait bailler des monde qui contestaient des élus qui contestaient à la base et qui pourrait aggraver crise là et puis qui pourrait mettre nous dans plus tracas en dans pays là. Si nous font rappel en 2015 malgré tes grands accords politiques qui était bail naissance avec Evans Paul tout le monde qui gens élection était fini 9 août c'est dans coup de zam élection présidentielle pas même arrivé bouclé c'est pas un autre gouvernement transition que t'as pas fait. Crise la pâte pourrie dans l'Italie. Je dis à nous saisir pour nous voir comment Ariel Henry, pas même temps nous accord politique, nous demandé à qui provision légale qu'il gagne. Côté joindre tout pouvoir ça, je dis à pour le nommer cabinet ministériel là. Je dis à pour nous capables, nos conditions que nous y est dans situation exception ça nous y est, je dis à seule une seule façon pour nous un gouvernement qui a une légitimité, qui pour mener nous vers des élections libres, équitables, honnêtes dans le pays, c'est à travers un accord politique cap bail naissance avec un nouveau conseil électoral provisoire parce que ça nous cap dépenser l'argent sans titre sa qualité ça c'est des monde que la justice pour poursuivre parce que te dit non pas dépenser l'argent pays a jodi a nous ouais qui j'en ai veut ban nous un gouvernement bouillon réchauffé si nous prend quatre moun yo qui reconduit dans cabinet ministériel c'est quatre moun que action ça sont insultes liées pour société oui c'est tant que c'est seulement moun ça qui dans pays a oui malgré fait toute action vagabondage yo obligé à reconduire si nous prend Claude Joseph qui te fait partie CSPN si nous prend et le ministre de la justice premier suspect d'assassinat président c'est moun ça oui parce que moun ça c'est responsable sécurité pays a pour planifier sécurité dans pays a et non seulement yo pas de fan rien puis yo te garanti sécurité population malgré t'a kidnappé moun yo t'a assassiné moun yo pas de fan rien jusqu'à ce que insécurité généralisée, crime qui a fait dans le pays, l'arrivée à atteindre le président de la République. Comment comprendre les gens qui ont fait partie de CSPN, qui reconduit dans le gouvernement, et l'autre même, à le coucher la caille, abdomi, si nous prenons exemple, et Gonzague Dé, qui a un code pour te marrer dirigeant politique, mais pas de code pour te mener enquête, pour te contrôler le territoire, pour te connaître, des mercenaires qui sont entrés pour te venir assassiner un président dans la résidence privée la caille. Jodi a nous dit, jodi a si nous-mêmes, comme citoyens, comme groupe organisé, comme avant-gardistes, nous parlons de camper et population, parlons de camper pour qu'il y ait lumière qui fait autour de crimes qui produit dans le pays. Parce que c'est pour celle, dans la situation à vivre là, il n'y a pas de contexte, mais de partage de gâteau. Il demande qu'il faut 4 la rebattre. Et si 4 la pas rebattre, la population pas besoin. Rien là-dedans. Sorti 1er juillet pour arriver 3 août 2021, il y a plus passé une dizaine de prisonniers qui mourent dans la prison civile au Kaila. D'après chef paquet au Kaila, maître Ronald Richemont, cause de décès, selon le commissaire, c'est trois chalets qui ont été dans l'espace. Pour faire face à la situation, le chef paquet a annoncé quelques mesures tant qu'assises criminelles qui démarrent hier mercredi 4 août. Il y a une façon pour déblayer la prison. Le chef paquet a tenu un correspondant à la Cid Richemont Joseph pour ANTV. Nous connaissons une prison qui héberge plus de 5 juridictions. Il y a un couteau, un lecaille, la juridiction d'appel. Et il y a une prison. Il y a deux prisons qui nous ont dit nos situations que nous avons. Et trois personnes. Même lorsque je deviens trois personnes, je mets toujours une place pour moi. Et donc, arrivé à la là, nous avons une priorité. Et prisonniers qui sont malades, le conseil est spécial pour eux. Chaleur fort. Et des prisonniers qui arrivent décédés. De ce petit mois de juin pour arriver au mois de juin, nous avons au moins 10 décès. Mais ce n'est pas le monde a dit qui fait des infractions. Et grave, c'est une mineur qui est rentré dans la prison ou qui est atteint par une maladie quand même. Et transféré à l'hôpital, l'arrivée à l'hôpital, il est succombé. Donc, situation ça que va vivre. Et il y a l'autre qui est malade encore. Ça fait que nous demandons aux responsables de prison qui ont médecin attaché à la prison, nous sommes capables de communiquer nos détails, nos rapports médicaux sur toute prisonnier qui est malade et qui est malade pour nous faire suivi pour nous. C'est la phase que nous sommes là pour regarder qui est la solution que nous avons apportée à tous les prisonniers qui veulent aide, le secours, qui sont malades.
Actuellement, nous avons environ 930 jusqu'à 950 prisonniers qui sont dans le prison civil local. Il y a au moins 20% qui sont condamnés. Et on a dit qu'il y a 20% condamnés, il y a environ 10% ou 15% qui attendent le jugement avec le dossier en état. Mais plus fort dans la détention préventive boulangère. Actuellement, nous avons assis qui commence aujourd'hui là. Donc nous avons 11 cas qui ont passé et qui ont fait 2 semaines. Et nous avons continué à tout dossier qui est en état pour assis à commencer même lorsque il y a une vacance judiciaire. Mais assis à continuer pour nous garder pour nous diminuer le taux de détention préventive boulangère. J'ai un film dans la prison, là où il y a un cas dépassé, un cas sérieux, l'hôpital général. J'ai laissé pour ça. Donc, nous, généralement, nous sommes dans la prison pour malade. Donc, comme nous sommes dans la prison pour nous, nous sommes dans la prison, 60 personnes, 70 personnes. Donc, nous connaissons Jean Libal dans la prison qui vient aggraver les situations maintenant qui fait que nous sommes malades, transférés à l'hôpital. Et ça fait que nous sommes dans la prison. Pas prendre chance comme si pour que tu fait des autres qui ont mené nous dans la prison. Pour prendre une liberté, il coûte cher. Tout le temps que j'ai une liberté, j'ai une parce que la prison, bon, ici, pas douce. Pas douce, c'est éviter la prison. C'est-à-dire que rester dans l'ordre de la loi pas rentrer dans la prison. Parce que l'ordre de la prison est difficile pour sortir. Je rentre dans la prison. Dans le cadre de l'opération dans la tête coulée avec la police, un commissaire gouvernement au Kaila met en bas code 3 individus qui ont assemblé impliqués dans plusieurs actes dans la ville. Opération Silla menée mardi 3 août 2021 dans la zone Lansavane, au Kay, dans l'idée pour capable mettre l'ordre dans le cambriolage qui a fait dans la troisième ville du pays. L'autre bord, côté commissaire Ronald Richemont, voyant Pinga, by propriété pompe à Cap Van Gaz dans l'huit, by machin, puis elle fait marché noir. Il y a plusieurs plaintes que nous recevons par rapport à l'ensemble des chevaliers de nuit qui profitent de l'espace de la route là pour craser pour tout le monde rentrer à nous. Et nous avons des noms. Et hier soir, avant hier soir, nous faisons rentrer à nous, nous prenons tout ça, nous nous capotons et nous tentons de voler le monde dans la caille. Donc nous connaissons que nous disons pas fait ici. Il pas fait ici. Et nous avons des noms et nous connaissons des monde très connu dans le savant et nous continuons. Donc nous avons parlé pour derrière parce que faut que nous prenions, faut qu'on traîne devant la justice. Donc, si vous avez des armes dans les mains, comme nous avons des armes dans les mains, si vous avez soit des armes, nous faisons. Nous regrettons ça pour vous. Je vous dis comme ça, je ne vais pas empêcher les bandits, mais il y a deux bagages qui sont dans les bandits. C'est soit vous déposez ou vous déposez. Si vous ne pouvez pas déposer, vous pouvez déposer. Et là, vous posez deux choix. Soit en prison, soit en cimetière. Parce que je vous dis, à qui que nous gagnons dans le sud, personne ne va arrêter. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour que nous éradiquions, pas dire éradiquer, donc pas dire éradiquer pour nous. Et diminuer les affaires de nek avec des armes qui ont braqué les gens, rentrer la caille, les gens s'approchent. Parce que les gens, il faut qu'ils dorment la caille, j'ai fermé. Donc les gens ne sont pas dans la rue pour rentrer, craser les gens et voler les gens, faire les autres. Donc on a braqué eux. Et la semaine, ça c'est la dernière semaine pour nous faire ça, pour nous même pour nous. Nous avons arrêté 3 personnes hier, il y a des gens qui sont libérés. Et 2 autres, nous avons déféré par devant le cabinet. Le gaz a son problème lié à travers pas seulement Koukaï, mais à travers le pays en général. Donc nous connaissons ça et déjà Matissan représenté pour nous dans le sud et il y a 4 départements et demi qui bloquent l'ensemble du barrage pas 40 000 dans la ville. Donc ça fait que les marchands nous-mêmes nous allons chercher le gaz, par contre, nous chercher pour nous rentrer. Mais il faut me dire bien, nous-mêmes nous prenons des dispositions pour que le gaz ne pas vendre dans la route. Parce que les gaz là, ils sont dangereux pour la société. Et à n'importe quel différent qu'à prendre dans la ville là. Le sac fait que nous faisons intervention avec la mairie, le ministère du commerce, avec la police, pour que nous retirer le gaz dans l'air. Il faut nous bien gagner une série de directeurs pompes qui sont mal intentionnés et qui a alimenté des autres là en dedans, qui a alimenté des autres là en dedans de la ville là. Donc il n'y a pas beaucoup parce que eux-mêmes tout le cap est dit bon, ils ne parlent pas de tout le cap est dit bon, pour leur vendre gaz dans la machine. Ils ont dit nous faisons ça la nuit, il y a des gens qui font tout, qui même augmentent le prix à la pompe. C'est-à-dire le prix de l'État fixé, ils augmentent à la pompe. Ils disent ça. Mais je ne peux pas constater, mais ils disent ça. Ils ont dit mettre pour ça, préférer que s'ils veulent vendre gaz, qu'ils vendent déjà l'État mandé le vendre. Et après, ils augmentent le prix là, les mêmes pour là. Pas près chance. Parce que ça va beaucoup. Parce que j'aime du prison et là, donc quel que soit le nègre là, on va le
ou à faire des ordres, si vous ne respectez pas la loi, la police a arrêté et a défait le côté où je suis posé. Pour finir, amis téléspectateurs, une réunion faite dans la délégation au Cap-La, côté nouveau délégué DDN-PNH, plusieurs directeurs dans le département, dans l'idée pour interdire les pompiers de vendre le gaz dans le galon sans une autorisation cap sorti dans la mairie. Saisir et arrêter tout le monde qui vend gaz dans la rue, toute pompe en gaz a dû l'ouvrir pour vendre gaz, même les. Ensuite, déclaration Pierre de Gault Augustin, dans le micro, correspondant nous, dans le Nord, et autres coups d'adda pour Ainen TV. Maintenant, nous avons une décision. La décision que nous prenons, c'est pour nous mettre fin à la question problématique carburant dans le département Nord. Par rapport à la propriété des véhicules qui n'est pas capable de faire essence avec rapidité ou bien qui n'est pas capable de faire du tout. Et ensuite, problématique pour les gens qui prennent gaz dans le gaz qui provoque soit par combustible. Et dans ce sens-là, nous-mêmes comme délégué départemental, et conseillé avec le parquet du Cap-Haïtien, la police, dans le département, avec le directeur départemental, nous prenons décision. Premièrement, nous interdisons formellement la vente de gaz en galon. Quel que soit le monde qui a fait l'activité de la parquet déjà a une instruction avec la police pour arrêter le monde de par la police et conduire devant parquet. Deuxièmement, nous-mêmes comptons arrêter le complice qui tabac en connivence avec le monde pour provoquer le marché non assidu. Et nous-mêmes allons, si jamais l'action si a récidivé, et bien direction commerce mettant joué une instruction pour le camper provisoirement permis de fonctionnement en sécurité et pompe gaz qui n'a pas appelé collaborer avec l'autorité dans le département par rapport à la décision de la. Et ensuite, nous prenons une décision pour permettre à ces pompes gazières capables de vendre gaz en même temps. Et dès demain, il y a des inspecteurs dans le bureau commerce qui ont inspecté toutes les pompes pour regarder qui pompe qui a gaz, qui pompe qui n'a pas gaz, et puis pour permettre à ce que nous ordonnions puis être capable de prendre le gaz là en même temps. L'autre décision que nous prenons encore, c'est simplement la mairie du Cap-Haïtien qui gagne responsabilité pour bailler au monde une autorisation pour acheter gaz en galon. Faut dire ça parce que nous avons des institutions qui ont besoin de gaz pour fonctionner, pour faire générateur se fonctionner. Faut que nous quittons fenêtre ouverte justement pour être capable d'acheter gaz. Voilà, amis téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout à journal là pour aujourd'hui. Mais avant nous aller, quittez-nous rappeler tout grand point. Rapport qui gagne plus de 800 pages avec un résumé 120 pages et pièce sans conviction sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse là, transféré à Yekat Daoud là, dans le cabinet d'instruction, était seulement avec Maître Bernard Saint-Ville, avec doyen tribunal première instance à TPI, Port-au-Prince là, pour choisir un juge pour prendre en main dossier politico-judiciaire. Office de protection citoyen organise un atelier réflexion sur les besoins spécifiques des femmes actives dans ce qui est pour la justice en présence de plusieurs représentants d'organisations internationales, tant que l'ONU Femmes, avec plusieurs autres autorités dans le système judiciaire pays, comme quelques associations magistrats et puis l'autre institution dans le domaine droit monde. Sorti 1er juillet pour arriver 3 août 2021, il y a eu plus de 10 prisonniers qui mourent dans la prison civile au CAI à cause de trois chalets qui ont été dans l'espace là.
pour faire face à la situation en chef en paquet annoncé à 6 criminels qui démarrent à mercredi 4 d'août là et en façon pour déblayer la prison. Une réunion faite dans la délégation au Cap-là, côté nouveau délégué DDN PNH là, plusieurs directeurs du département dans l'idée pour interdire qu'on puisse vendre mon gaz dans la galon sans une autorisation cap sorti dans la mairie. Saisi et puis arrêter tout le monde qui vend gaz dans la ria, toute pompe gaz à droit louis pour vendre gaz même les. C'est ensemble qu'on s'est un pilote qui t'a développé, mettez branché télévision à LNTV pour cette programmation. Bye bye tout le monde.